à notre célébration en cette fête de la Sainte Famille. C'est vraiment la première réalité humaine que Jésus a vécue, comme nous évidemment. Alors nous savons que la vie d'un enfant doit trouver son origine dans l'amour de ses parents. Dans la joie que la Nativité nous a apportée, nous découvrons aujourd'hui le don que Dieu fait à chacun et chacune de nous, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Il nous appelle à mettre notre foi en son nom et à proclamer son amour à la famille humaine. Demandons-lui de se manifester à chaque famille du monde entier. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons donc aujourd'hui la Sainte Famille qui nous est donnée en exemple. En vérité, confions au Seigneur les joies et les difficultés de nos vies de famille. Confions-lui les enfants qui souffrent, les parents qui doutent, et implorons sa miséricorde. Purifie nos cœurs, qu'il les dispose à bien lui rendre grâce et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Amen. Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour
avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Premier livre de Samuel. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice habituel et celui du veau pour la naissance de l'enfant. Anne, elle n'y montait pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sévré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. Lorsque Samuel eut été sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur, car pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, il se prosternait devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Entends ma prière, écoute
Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le voyons lorsque le Fils de Dieu paraîtra. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qu'il plaît, ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et voici, celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu est en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné son Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu.
frères et sœurs, la fête de la Sainte Famille prolonge en quelque sorte celle de Noël qui célèbre la naissance de Jésus. Et spontanément, nous sommes portés à ramener l'incarnation du Fils de Dieu à sa naissance. Or, comme nous le savons, devenir humain, pour lui comme pour nous, ce n'est pas seulement venir au monde, c'est aussi grandir dans une famille, hériter d'une langue, d'une histoire, d'une culture. Comme tous les enfants, Jésus a beaucoup reçu sous le toit de Marie et de Joseph, où, comme le dit le texte, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Dans ce foyer, il est aussi plongé au cœur du peuple des promesses de salut que Dieu fait à Abraham, à Sarah et au roi David. Avec ses parents et les gens, bien sûr, du voisinage, il a appris les gestes et les mots qui lui permettront plus tard de nous faire connaître la tendresse de Dieu et également la venue de son royaume. Ces enseignements comportent d'ailleurs plusieurs allusions aux scènes de la vie de famille, comme par exemple la femme qui met du levain dans la pâte, le mot « Abba » qui signifie « papa » pour désigner Dieu, et aussi le père généreux qui accueille son fils prodigue revenu après un temps d'errance. Enfin, il n'est pas exagéré de reconnaître que Jésus a été marqué par sa famille et par l'histoire de son peuple. Par contre, les évangiles sont d'une discrétion un peu surprenante sur la vie de Jésus avec ses parents à Nazareth, si ce n'est son premier pèlerinage à Jérusalem. À cette occasion, l'ado Jésus, comme on peut l'appeler, et d'ailleurs, comme certains ados pourraient bien le faire, décide de rester au temple sans avertir ses parents. Ceux-ci, évidemment, sont inquiets et se mettent à sa recherche. C'est seulement après 3 jours, nous dit le texte, qu'il le retrouve dans le temple, au milieu des savants docteurs, ces docteurs de la loi, qui s'émerveillent de son intelligence et de ses réponses. Naturellement, comme toute maman, Marie s'empresse de lui faire quelques reproches et de lui dire l'inquiétude et la souffrance qu'elle et son père ont connues. Or, Jésus profite de cette occasion pour leur préciser qui il est et quelle est sa mission. « Ne savez-vous pas, dit-il, qu'il me faut être chez mon père? » Ces paroles sont tellement mystérieuses que ses parents ne comprennent pas ce qu'il leur disait, même si ces derniers se doutent bien que leur fils est destiné à une vocation unique, à une vocation particulière. Pour eux et pour nous, il faut attendre Pâques et la venue de l'Esprit-Saint pour découvrir davantage ce mystère de l'incarnation. Sur plus d'un point, la Sainte Famille est exceptionnelle. En effet, on dit de Marie qu'elle est comblée de grâce et bénie entre toutes les femmes. Alors que, pour Joseph, on dit qu'il est un homme juste, religieux, un père adoptif et protecteur. En ce qui concerne Jésus, il est plus qu'un enfant surdoué. Il est le Messie, le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde. Si cette famille, frères et sœurs, est certainement unique et admirable, elle peut quand même nous inspirer des attitudes qui sont à notre portée, comme, par exemple, vivre l'humble quotidien dans la foi, développer le respect mutuel
et l'ouverture au mystère de chacun et chacune. Faire de son foyer un milieu de vie épanouissant. Et en terminant, et pour être réaliste, évitons cependant d'idéaliser la vie familiale, car nous le savons, elle comporte aussi son lot de blessures, de mesquineries, de souffrances. Dans la célébration de l'Eucharistie que nous vivons en ce moment, nous formons, vous et moi, la grande famille des enfants de Dieu, et l'écoute de la même parole, ainsi que le partage du même pain, nous unissent dans l'amour et l'espérance. C'est ainsi que nous ferons de chacune de nos familles des milieux de vie qui contribuent à rendre l'Église et la société meilleures et plus belles. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu a voulu que l'être humain grandisse et s'accomplisse au sein d'une famille. Prions le Père de tous les habitants de notre terre et confions-lui nos demandes les plus chères. Pour les familles unies qui connaissent la joie de vivre ensemble, qu'elles sachent accueillir les personnes seules et isolées de leurs proches, prions le Seigneur. Familles en difficulté qui risquent les divisions, qu'elles trouvent sur leur chemin des guides éclairés et réconfortants, prions le Seigneur. Pour les responsables de nos gouvernements, qu'ils adoptent une politique sociale favorisant et protégeant la vie familiale, prions le Seigneur. Les laïcs et les religieux, regroupés en différentes familles spirituelles, qui s'inspirent de la famille pour s'unir avec Marie et Joseph autour de la personne de Jésus, le Christ, prions le Seigneur. Pour notre assemblée, que nous trouvons dans la famille de l'Église, la foi et l'amour dont nous avons besoin pour remplir notre mission dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, toi le Dieu et Père de tous et de toutes, écoute les prières que nous t'adressons pour le bien de ton Église et de toute la grande famille humaine. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Bénis-tu de l'univers.
l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et tu mettras le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La grâce de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en célébrant la Sainte Famille, nous recevons de toi ce même amour, ce désir d'unité. Permets que chacun et chacune y puise des forces nouvelles pour témoigner du bonheur que tu nous donnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet l'être humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges, qui proclamait ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Y daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Christ a témoigné de son amour filial et il nous a révélé que Dieu est aussi notre Père.
Avec lui et en nous unissant à toutes les familles de la terre, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons le signe de paix entre nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Demain, le 31 décembre, la messe sera célébrée à 16h30. Alors, il n'y a pas de messe en soirée. Et la messe du jour de l'an aura lieu, bien sûr, mardi à 10h. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.